Il y a une ouverture, bien sûr, sur la philosophie, les Avicenne, Averwes, Al-Ghazali, Farabi, etc. Mais il y a aussi les médecins, les astronomes. Mais il y a aussi, bien sûr, une petite ouverture sur la littérature. Et là, c'est un point important parce que généralement, on estime que la littérature arabe n'a pas vraiment influencé la littérature française ou occidentale. Mais en fait, il y a quand même quelques textes majeurs qui étaient connus depuis le Moyen-Âge, dont le texte de Khalil Dimna. Euh, et donc qui était euh, intégré dans, euh, dans, dans, dans les, euh, les lectures euh, des, euh, des intellectuels euh, du, monde, du monde latin et qui était aussi euh, donc en, en circulation dans plusieurs, dans plusieurs milieux, dans plusieurs cercles euh, de, du savoir. Et parmi ces, ces textes, donc nous trouvons par exemple « euh, Un florilège de Maxime », qui s'appelle les dits euh, des, euh, des philosophes et des sages. Euh, C'est un, un forilège de maxime issu d'un texte de Benfatek, donc un égyptien du XIIe siècle, du XIe XIIe siècle. Euh, nous avons aussi euh, le secret des secrets, donc un, un texte qui est issu en partie des lettres d'Aristote Alexandre. Et euh, enfin, nous avons un, texte, un autre texte qui est Dimna Donc vous voyez, il y a trois textes euh, parmi lesquels il y a Dimna qui vont circuler euh, pendant tout le Moyen Âge latin et euh, donner en quelque sorte euh, naissance à euh, disons, une matière qui est différente de la matière qu'on va trouver chez les philosophes aristotéliciens, ou néoplatoniciens, chez les astronomes, les mathématiciens, les médecins, qui eux aussi étaient connus. Mmh.